pour que tu m'aimes encore. Hey, c'est-tu Dadon? Tourne de Céline Dion. Allô tout le monde! Hey, il est super tard. Je vous vlog super tard. Il est 19h30. J'étais avec Zoé. Zoé, viens dire allô! Viens dire allô, bébé! Salut! Oui, gros bisous. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres fantasies, je ne suis pas les autres, non, non, non. Ce sera pas long, gang. Alors que l'on se gâche, je veux que tu saches, je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des hommes, je vais chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai ton bagage pour d'infinis vendanges. Des formules magiques, des marabouts d'Afrique, je te dirai sans remords. Avouez que je chante presque comme Céline. Parce que j'ai plein de choses à vous dire, puis là, j'espère que j'ai pas oublié des enfants. Premièrement, je vous filme aussi tard parce que je m'en vais. Hier, Céline Dion a joué à l'amphithéâtre que j'ai cours ici à Trois-Rivières. Puis elle joue encore à soir. Puis moi, j'avais des billets pour hier, mais je les avais vendus parce que je savais pas si j'allais travailler. Puis là, je voyais que je travaillais super gros. Puis je me disais, c'est sûr que je vais travailler, tu sais. Finalement, hier, j'ai pas travaillé. Méga déception, mais tu sais, de toute façon, j'étais censée y aller avec ma mère, puis là, ma mère, en tout cas, elle va pas trop bien ces temps-ci, fait qu'elle est pas là de toute façon, mais tu sais, Céline, c'est son idole, là, fait que pour comment Céline, parce que hier, j'aurais pu réacheter des billets, tu sais, j'en avais trouvé avant, mais elle filait pas assez pour y aller. Fait que là, tu sais, moi, je suis seule ici, là, vous savez, je viens de déménager, puis tu sais, je sors jamais, là. Je vais jamais dans les bars, encore de même, puis tu sais, j'ai des connaissances, là, mettons, au gym, je me suis fait des connaissances, puis tu sais, ces affaires-là, mais tu sais, j'ai pas du monde avec qui j'ai goût d'aller passer une soirée, mettons. Fait que là, c'est ça. Puis là, il y avait plein de monde qui me disait, ben, va où les lettres. Ou les lettres Trois-Rivières, parce qu'il y a comme des grosses lettres en bois en bas de la scène de l'amphithéâtre que j'écho. Puis tout le monde me disait, va là, tu sais, le monde sont allés là hier pour Céline Dion, puis ils entendaient super bien, tu sais, fait qu'au pire, va là, puis tu vas l'entendre. Mais là, je suis seule. Puis moi, j'ai bien de la misère. Ok, c'est con, mais j'ai bien de la misère à faire des activités tout seul. J'aime pas ça, sortir tout seul. Tu sais, même magasiner tout seul, j'ai de la misère. Alors que j'ai des amis comme mon amie Caro, elle allait mieux aller magasiner tout seul, tu sais. J'aimerais ça être de même, mais en tout cas. Puis là, je me disais en même temps, je me disais, c'est plate parce que j'aurais donc aimé ça commencer à vous faire des vlogs avant, tu sais, mettons, voilà un an. Parce que à Québec, je faisais, tu sais, j'étais tout le temps partie, je faisais tout le temps plein d'affaires parce que mes amis étaient là, puis tu sais, on avait des soirées, des parties, des activités, tu sais, toute la gang. Je me disais, c'est plate que j'avais pas commencé à filmer dans ce temps-là. T'sais, j'aurais pu vous montrer notre appart. T'sais, j'avais un appart sur... Bon, la police a arrêté quelqu'un là. C'est pas moi cette fois-ci. À ce temps, je mets mon cruise control à 50 parce que ça fait deux fois que je me fais bugger. À comme 72 dans une zone de 50. Mais c'est parce que... excusez, je fais une parenthèse là. C'est parce que c'est 50. Après ça, il y a un petit bout 70 puis ça retombe 50. Fait que moi, je suis très chante. Je vois pas que c'est retombé 50, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que je dis? Ouais, j'aurais pu vous montrer notre appart. J'avais un appart sur trois étages. J'avais un étage en haut, le rez-de-chaussée, puis un sous-sol, tu sais. Ok, je pensais qu'elle partait après moi, mais j'ai rien fait de mal. Ok, excusez, là, je suis bien déconcentrée. Hey, j'espère qu'on voit bien. Il fait super noir, hein? J'ai allumé les deux spots là, mais j'ai pas d'autre lumière que ça. Fait que ouais, c'est ça. Ma vie aurait été plus palpitante que là, que je fous rien. T'sais. Fait que là, je me suis dit,
Bon, j'ai vendu mes billets pour Céline hier, finalement j'ai pas travaillé. Je pourrais aller l'entendre à soir, je l'entendrais super bien, mais je suis toute seule, qu'est-ce que je fais? Puis en même temps, ben, je veux vous faire des vlogs parce que je suis presque rendue à 400 abonnés, ça me fait capoter. Vous êtes trop fous là, je capote tellement. C'est comme, tu sais, ça fait longtemps que je regarde des vlogs là, que je regarde Karine de la chaîne X Barbie X One, Tellement Mom, Alexandra Larouche, Fanny de Fashion Beauty, Fanny puis son chum. Puis je me disais, tu sais, je rêvais, je me disais, ce serait fou là que je fasse des vlogs puis j'avais autant d'abonnés, tu sais. Là, je suis loin d'en avoir autant, mais j'en ai 400, j'en ai presque 400, puis ça me fait capoter là. Là, je me disais, j'ai rien à bloquer. Hey, excusez, là, il me semble que c'est tellement tout mélangé, mon affaire. J'ai tellement de choses à vous dire que je veux pas oublier de vous dire. Fait que là, je me disais, j'ai rien à leur vlogger. Je fous rien de ma vie à Trois-Rivières. Tu sais, je fais pas d'activité avec mes amis. Je fais rien. Des fois, je descends à Québec, mais. Oh oui, je vais descendre la fenêtre, mon amour. Regardez-la. Regardez-la. Avec sa petite. Ah oui, vas-y, ta petite tête dehors. Hé, hé, hé. Avec sa petite tête dehors quand on roule. Elle, elle a mouillé l'écran. J'avais rien à vous. Tu sais, j'ai rien à vous vlogger parce qu'ici, justement, j'ai pas mes amis. Je fous rien, là. Sérieusement, je fous rien. Je travaille, je vais à l'épicerie puis je promène mes chiens. C'est tout ce que je fais. Ma vie est plate, là. Que je suis comme pas. Je peux comme pas rien vous filmer de le fun, tu sais, mais c'est sûr quand je vais aller à Québec, je vais vous filmer et tout ça, là. Bientôt, ça va se calmer un petit peu à mon travail et je vais pouvoir aller voir mes amis à Québec, mais tu sais, c'est ça, j'y vais pas autant qu'avant. En tout cas, je me suis dit, à soir, ok, je me déniaise, j'y vais toute seule, ben j'ai mon chien, au moins j'ai mon chien. Je vais écouter Céline. Bon, fait que j'ai décidé ça. Puis, ben j'amène Zoé parce que c'est un endroit, c'est dehors, fait que je vois pas, c'est pas au bout de la scène, là, fait que je vois pas pourquoi que je pourrais pas l'amener. Ça me fait sentir un petit peu moins seule. Puis la raison pourquoi j'amène juste Zoé et non Cybelle, c'est que Cybelle, hier, j'étais allée marcher avec elle, les deux chiens, 1h30 de temps. Puis Cybelle, ce matin, elle boitait. Elle s'est comme blessée un moment donné en courant. Elle s'est faite une entorse, puis depuis ce temps-là, quand elle marche trop, ben elle boite. Fait que là, en plus, un matin, je suis allée me repromener avec elle environ 1 heure. Ben 1 heure pile en fait. 1h07 genre à peu près. Je l'ai calculé, ça a donné 1h07. J'ai été obligée d'appeler quelqu'un pour venir la chercher parce qu'en revenant, elle s'est couchée dans l'herbe sur le terrain de quelqu'un puis elle voulait plus se lever. Je trouvais tellement qu'elle faisait pitié, fait que quelqu'un est venu la chercher. Fait que là, j'aime mieux qu'elle se repose ce soir puis j'amène juste Zoé parce que ça lui fait du bien d'être toute seule des fois. Elle a besoin d'avoir la paix un petit peu, elle est un petit peu solitaire des fois, puis autant qu'elle est dépendante là, de moi, mettons, là, mais autant qu'elle aime ça, être séparée un petit peu de Zoé de temps en temps. Alors c'est pour ça que je fais une sortie mère-fille avec Zoé ce soir. Zoé qui a encore la tête dehors. Elle aime tellement ça mettre sa tête dehors quand on roule. Là. Alors c'est ça, je m'en vais voir Céline Dion, ben voir. Écoutez Céline Dion. Je décide d'avoir vendu mes billets hier. Il n'est même pas mouillé en plus. Ça aurait été une super belle soirée. Mais en même temps, ma mère n'était pas là. Fait que je sais pas avec qui j'aurais été. Là. Puis aussi, je voulais vous dire. Là, je suis certaine que je voulais vous dire une autre chose. Mais je m'en souviens pas. Là, avec tout ce que j'ai dit, là, je l'ai perdu. Ah, je vais aller prendre l'autoroute là. Ce matin, je suis allée au gym, au fameux cours de Zumba de Cindy. Quand je peux, j'y vais, c'est sûr. Là, pour l'horaire d'été, c'est le lundi matin à 9h, puis le mercredi matin à 9h. Puis là, à partir du 12 septembre, là, elle va donner 3 cours dans la semaine de Zumba, parce qu'elle en donne plein d'autres. Je suis super contente. Hier j'ai fait le Zumba plus le cours de step. Un matin, j'ai fait juste le Zumba. Après, c'était fesses de fer, mais je l'ai pas fait. Je suis allée faire d'autres choses à la place. Puis, c'est ça. Après ça, je suis revenue du gym, j'ai déjeuné. Là, après ça, j'ai fait quelque chose de vraiment difficile émotionnellement, là. Qui a rapport avec ce que je vous ai parlé cette semaine, que je filais pas trop à cause que ça s'était passé quelque chose. Mais en tout cas, c'est correct, là. Comme je vous ai dit, c'est pas pour moi que je m'en fais le plus, mais tu sais, des fois, c'est encore pire quand tu t'en fais pour quelqu'un d'autre, là. Parce que t'as pas le pouvoir sur comment il peut penser, comment il peut agir, puis comment il peut s'en sortir, tu sais. Tandis que toi, tu te connais, puis tu sais qu'est-ce que t'es capable d'affronter, puis de traverser, tu sais. Puis c'est circonstanciel, là. Des fois,
T'sais, j'en ai vécu des grosses épreuves dans ma vie, ça je fais pas pitié, là, mais j'en ai vécu des grosses épreuves dans ma vie, des deuils, des pertes, la maladie, pas moi personnellement, mais dans dans ma famille très très proche. En tout cas, bref, t'sais, j'ai affronté ça quand même, mais j'ai eu beaucoup de résilience, je trouve, à ces moments-là, mais maintenant je suis comme plus atteint. C'est comme plus difficile de traverser quelque chose, je trouve. Mais ça va bien aller dans la vie, il faut voir positif, puis tu sais, tout finit toujours par s'arranger, c'est cliché, mais c'est tellement vrai. Puis tu sais, surtout quand t'as un bon entourage pour t'en sortir, ben tu sais, c'est bien. Moi, c'est la personne à qui je me confiais le plus dans la vie, ben est décédée aujourd'hui. Mais tu sais, je continue à sentir qu'elle est là pour moi. J'ai même pas demandé sa permission à Zoé, ça a tenté de venir voir Céline, mais je l'ai obligée. Ma chérie, tonight, on s'en va voir Céline. Entre mère et fille. Ah, mon bébé, oui, on s'en va voir Céline. T'es contente? T'es contente, la fille? Puis j'y parle comme une attardée, mais elle aime ça, elle branle la queue et elle vient me voir en arrière. Je vais te faire arranger la caméra, hein? Je sais pas si vous êtes bien, je sais pas si vous me voyez bien. Mais c'est cela. Fait que là, je prends mon auto, il y a des navettes, ok? Je voulais prendre une navette. Tu te stationnes à un endroit, puis eux, ils t'amènent. Sauf que je suis deuxième sur la liste de rappel ce soir. Fait que s'il y a un call-out, c'est sûr que je vais être appelée. Fait que je peux pas prendre de chance. Fait que là, j'espère tellement que je vais trouver un stationnement, là. Sérieux, ça me stresse. J'espère que je vais trouver un stationnement. Tu sais, à Trois-Rivières, les stationnements sont tous gratuits, là. Les parcomètres, à partir de 5 heures, tu payes plus. La fin de semaine, tu payes pas du tout. C'est fou, les stationnements à Trois-Rivières, là. Puis même que j'en ai un en tête que même pendant les shows du Festivois cet été, personne se stationnait là. J'allais tout le temps me stationner là. Sauf que c'est un petit peu loin de l'amphithéâtre que j'écoute, sincèrement. Je suis même pas passée par le centre-ville, je passe par Deschenaux. Alors c'est ça, on va voir. Souhaitez-moi d'avoir un stationnement parce que là, ça serait vraiment en poche. Que je trouve comme pas de stationnement, puis que ça niaise, puis que ça niaise, puis que ça niaise. Là, je vous ai pas montré qu'est-ce que je portais. Je vous montrerai ça tantôt si je trouve un spot de lumière quelque part, parce qu'il commence à faire noir. Là, c'est vraiment ennuagé. Je vais emmener mon parapluie. J'ai pas amené rien. Ben, mon petit manteau de North Face imperméable, j'ai pas amené. Hey, puis c'est tout qu'il y en a donc, il y avait une toune de Céline quand je suis embarquée dans ma voiture, puis que j'ai allumé la caméra. Excusez pour ce petit moment de folie là. Vous boucherez vos oreilles parce que je chante mal en terre. On va rallumer la radio, voir de coup que. Non. C'est plate cette tune là. Je sais pas pourquoi ça joue. Je sais pas pourquoi je la sais par cœur. Hey, c'est vraiment nuageux. J'espère qu'il mourra pas. Sérieux, j'ai trop hâte. Je sais même pas à quelle heure il est le show. Je suis partie, là, il doit être moins quart. Les tunes qu'elle joue, là, c'est comme toutes des hits. Là. Ils sont trop bonnes, les tunes qu'elle joue. Je l'aime! Puis, tu sais, tantôt à 16h sur la rue des Forges au centre-ville, il y avait comme la station Rouge FM, je pense, que tu peux aller faire un karaoké de Céline, comme, puis il faisait tirer une paire de billets. Mais, tu sais, je me disais, pour les chances que j'en gagne peut-être une paire, me déplacer, tu sais, pour faire ça pendant quelques temps, t'sais, trouver un parking pis tout, pis ça aurait pris quoi, sûrement pas longtemps, ou au contraire, il y aurait peut-être eu plein de monde, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas pris la chambre. Hey, hier, je vous ai pas, c'est vrai, hier, je suis pas revenue avec, hey, je me frotte les yeux, là, vous devez vous dire, hey, salut du mascara, ça va tout, mais non, moi, je me maquille jamais dans la vie. À cette heure, je mets du mascara quand je travaille, c'est tout. Là, j'en ai pas mis à soir, ça me tentait pas. Mais j'aurais peut-être dû en mettre, là, parce que comme dit Alexandra Larouche, le mascara, c'est comme la base de tout, là, puis c'est vrai que ça change tout. Mais moi, j'ai vraiment les cils longs, donc on dirait que j'en ai même quand j'en ai pas. Mais le luxe de pouvoir se frotter les yeux quand on peut, hein? Sérieusement. Parce que quand t'as du mascara puis tu frottes les yeux, là, ça fait plein de mentons, puis c'est pas beau. Je vous disais quelque chose avant de parler de mascara, je me suis frotté les yeux, puis là, je suis partie sur une autre chire. Hein. Ah! Que j'étais pas revenue. Hier, j'avais essayé d'appeler mon amie Sophie, puis elle avait pas répondu, puis elle m'a texté après, mais sûrement, elle m'a texté tout de suite après, là. Fait que c'est sûr qu'elle avait son cell, mais je pense qu'elle travaillait, fait qu'elle pouvait pas répondre. Puis elle m'a dit que j'étais rendue environ à. Je m'en souviens même pas, faudrait que j'aille lire son message.
les shows de Simple Plan que je parle, là, je voulais te dire que je parlais de ça. Ça m'a justement mêlé, là. J'ai tellement l'esprit ailleurs, j'ai tellement de choses en tête là, qu'il faut que je règle tout ça, là, c'est incroyable. Sérieux, quand je fais quelque chose de ma vie, je prends tellement goût à faire des vlogs, là, j'aime ça, puis là, j'aime ça parce que vous me laissez des commentaires, puis ça me fait capoter d'interagir avec vous autres, là, sérieux, j'espère que j'aurai la chance de continuer les vlogs longtemps, puis, tu sais, d'avoir plus d'abonnés, puis de pouvoir parler avec vous autres. Là, en jasant de même, ça veut dire que ça fait 15 minutes quasiment que je vous parle, parce que c'est 15 minutes de chez nous à ici. Puis là, j'arrive quasiment, là. Fait que j'arrive quasiment au stationnement. Dans le fond, je vais vous garder allumé, puis vous allez voir si, si j'ai un parking. Vous allez voir ça avec moi. Là, tout le monde doit se demander pourquoi que je parle tout seul. Pourquoi qu'ils me voient remuer les lèvres tout seul. Et pourquoi que mes lumières sont allumées. Mais non, je suis pas en douille, tout le monde. Je sais que mes lumières sont allumées. Allô? Je suis tellement distraite, là, pour vrai, c'est ainsi que... Bon, il y a du monde en salle, il y a du monde parqué jusqu'ici. Je pense que je vais me revirer puis je vais me stationner là. Parce que là, j'en aurai pas d'autres. Hey, ça n'a pas de sens. En tout cas, je vais prendre une chance d'aller voir plus proche pareil. Là. Je peux pas croire. C'est comme dans un kilomètre, dans bien plus qu'un kilomètre, là, puis il y a des chars à la tonne. C'est un peu géré le tir. Ah, ici même dans notre spécial. Céline, bonne soirée tout le monde. Chez moi, les forêts se balancent, c'est les vagues de le ciel. Les hommes et torrents sans violence et les neiges sont éternelles. Je vois les loups sautent à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Oh ben il y en a là. Parking 120 minutes de 9h à 17h du lundi au vendredi. Là il est passé 17h. Ah oh, puis même ici il y en a un. Eh? Malade? J'ai-tu vraiment un parking aussi proche que ça? Wouhou! Je suis à côté, gang. Fait que si la job m'appelle, vous savez, si la job m'appelle, je vais être proche. Attendez, on va aller voir ensemble si je suis correcte dans les lignes. Faudrait que je me recule un peu plus, hein? Ouais, je vais me reculer un peu plus, mais je vais être quand même correcte. Arrête parce que j'ai presque plus de temps de filmage. Fait qu'il faut que j'aille supprimer des vidéos. Ok, bye, je vous aime. Allô, gang. On va pas bien, bien, il fait noir, là. Sauf que là, je suis sur le site de l'amphithéâtre Cogeco. Puis je me suis fait avertir parce qu'on n'a pas le droit aux chiens. Mais j'étais comme là-bas. Puis je me suis reculée ici avec Zoé. Puis là, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est l'écran géant. Fait qu'on voit super bien. Puis on n'a pas payé. Fait que c'est cool. Que j'étais avec Zoé. Là, elle a vu un chien parce qu'il y a plein d'autres monde qui ont emmené leur chien. Puis, en tout cas, ils n'ont pas l'air assez de fait avertir encore. Là. Mais j'espère que ça fera pas qu'ils vont me voir ici, toute petite assise à terre dans le gazon. Puis qu'ils viendront pas m'avertir. Mais, gars, Zoé est super fine, là, couche à terre. Les quatre pattes en l'air. Ma fille. Puis, on voit super bien. L'écran géant est juste là. Là, j'étais assis par terre, j'ai pas pensé pantoute. Regarde, l'écran géant est là, on voit super bien. Là, j'étais assis par terre, j'ai pas pensé pantoute d'amener une chaise ou en plus j'avais un chose à pique-nique dans mon auto. J'ai pas pensé pantoute de l'amener, j'avais des chaises pliantes chez nous. J'ai pas pensé l'amener, mais tout le monde qui sont là, ils ont toutes des chaises, fait qu'ils sont bien. Moi, je commence à voir les gens engourdis assis en indien. Peut-être que je vais vous filmer d'autres petits bouts du spectacle tantôt, mais là, j'ai déjà fait un vlog qui a quasiment 15 minutes. Du vlog que c'est le show, fait que je pense pas que je vais refilmer beaucoup là, mais je vais vous montrer pareil un petit peu. Là, il est 20h46, puis elle monte sur la scène, en tout cas si c'est comme à Québec, à 52. Donc j'ai bien hâte. Zoé, elle capote là, elle a hâte, elle aussi, elle prend la queue là. Wouhou, hein, Zoé, Céline! True and all, we're
couldn't speak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Attention pas qu'ils vous avertissent parce que tantôt j'avais mon chien puis ils m'ont averti. On n'a pas le droit sur le site. J'étais ici, elle était couchée, elle disait pas un mot, ils sont venus m'avertir. Ok, je suis partie de où est-ce que j'étais pour regarder Céline à 11h37. Fait que ça a pris 13 minutes, ok? Puis j'ai marché vraiment vite. Puis ceux qui me connaissent savent à quel point je marche vite. Justement, maudit, là, ce qui est arrivé, là, le show était super bon, ok? Sauf que moi, je suis arrivée quand même d'avance. Ben, je suis arrivée pile pour la première partie. Puis les policiers, il y avait vraiment beaucoup de policiers qui se promenaient, ok? Là, au début, j'étais directement en plein milieu du site. C'était sur le terrain de l'amphithéâtre, apparemment. Puis,
Là, je suis venue me faire avertir comme quoi qu'on n'avait pas le droit de chien sur le terrain de l'amphithéâtre. Fait que j'ai fait OK, parfait, c'est correct. J'étais allée me placer, OK, au fond du terrain de l'amphithéâtre, sur le gazon, OK, presque sur le bord de la rue, presque où est-ce que leur terrain arrête. Puis je voyais quand même l'écran géant du show. J'étais vraiment bien, j'étais assise par terre. J'avais oublié d'amener une chaise. J'étais assise par terre, Zoé était couchée à côté de moi. Les jambes croisées. J'essaierai de vous insérer une photo à la fin du vlog comme j'avais fait l'autre jour. Là. Elle avait les jambes croisées. Elle était full contente d'aller voir Céline. Là, tout d'un coup, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont mis à arriver avec des chiens. Fait que là, ils allaient sur le terrain de l'amphithéâtre, puis tout ça. Puis il y en a qui m'ont vu parce que leur chien a comme voulu venir vers mon chien. Fait que ils se sont fait avertir. Puis il y en a un qui m'a pointé puis qui a dit genre elle a son chien sûrement là. Fait que la policière est venue me voir puis elle était avec un autre policier. Puis là elle était comme hey, je suis vraiment désolée là, ton chien il dérange vraiment pas puis elle est vraiment cute, tu sais, couché à terre puis elle dit pas un mot mais pour être juste pour tout le monde, tu peux pas rester là. Puis j'étais comme OK, mais tantôt j'étais en plein milieu, il m'a averti, je suis venue ici, je suis quasiment à la limite du parc, elle dit ouais, je sais mais pour être juste avec tout le monde, on n'a pas le choix, mais tu sais tu voyais que ça la faisait chier elle-même de dire ça, là, tu sais. Fait que là, le show était même pas comment. Il commençait, c'était la première toune. Ben, quand je me suis levée pour aller porter Zoé, c'était la première toune. Fait que là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Je retourne-tu chez moi, tu sais, le temps d'aller la porter chez moi puis de revenir. Le show, ça aurait pas valu la peine pour vrai, là. Même si elle joue 2h30 de temps, c'est incroyable. Puis elles sont pas une fois de scène. En tout cas, fait que je suis venue porter Zoé dans l'auto. Puis là, regardez, je l'ai calculé. Là, je suis partie à 11h37 du site où j'étais. Puis je suis arrivée à la voiture à 11h50. Puis j'ai marché très vite. Fait que ça prend 13 minutes. Puis je suis allée porter Zoé. Je suis revenue. J'avais manqué peut-être 2, 3, 4 tonnes, je sais pas. Puis deux fois pendant le spectacle, je suis venue voir Zoé la sortir pour qu'elle fasse pipi puis voir si elle était correcte. Fait que j'ai manqué vraiment beaucoup du show. Puis ce qui me met en maudit là-dedans, c'est plate que vous ne m'ayez pas sur Facebook, là. J'ai mis plein de photos, là. J'étais vraiment en maudit, là. J'ai quasiment pas profité du show. Je regardais juste le monde qui avait des chiens. Le show a commencé. Tout d'un coup, les policiers, pour moi, ils écoutaient le show. Je sais pas, ils se sont placés ailleurs, probablement, là. Il y avait 4, même que j'en. Au total, j'en ai vu 8 à peu près, avec des chiens, qui se promenaient sur le site. Puis à la place où est-ce que j'étais avec Zoé, même avant, c'est vraiment plus sur le site que moi, il y avait 4 chiens qui ont resté là tout le long du show. Puis il y en avait un derrière moi qui a jappé tout le long du show. Sérieux, je suis brûlée parce que. C'est tellement brûlant de perdre l'énergie négative avec quelque chose de peut-être inutile, là, vous direz, là. Mais moi, ça m'a vraiment fait de quoi? Ça m'a vraiment fait de la peine. J'ai trouvé ça vraiment poche. Que Zoé ait pas pu rester avec moi, là, sérieusement, là. Ça m'a fait vraiment de quoi? De savoir qu'elle a resté dans l'auto. Fait que moi, j'ai fait la course, les allers-retours tout le long du show. J'ai manqué des bouts du show. En plus, ben elle était toute seule dans l'auto. Tu sais, j'avais laissé les quatre vitres ouvertes, là, inquiétez-vous pas. Dans le fond, elle n'est pas restée vraiment longtemps, là. Peut-être restée maximum des périodes d'une demi-heure. Mais ça, j'ai pas vu ben du show, là, parce que même si je courais, tu sais, ça prenait... Tu sais, à la course, ça prenait peut-être au moins 8 minutes, là, aller-retour. Fait que 8 minutes aller, 8 minutes retour. Fait que mettons, ça me prenait 20 minutes à chaque fois. Je la sortais à peu près 10 minutes. Fait que. Je suis déçue, là, pour vrai, là. Ce qui me fâchait vraiment, c'est de voir les autres avec leurs chiens. Puis, tu sais, Zoé était bien, là, parmi le monde, dehors avec moi. Elle était couchée, puis elle disait pas un mot, là, tu sais. Elle était vraiment super bien, puis j'aurais aimé ça qu'elle reste avec moi. En tout cas, bref. C'est la parenthèse. C'est cool. Après, je revenais à l'auto. Puis, Céline Dion est passée comme, ben, je l'ai pas vue, là, mais elle est passée dans
dans une voiture, là, parce que dans le fond, elle avait une escorte policière. Là, il y avait une voiture de police en avant, il y avait quatre chars, puis il y avait une autre voiture de police en arrière. Donc, sûrement qu'elle s'en va à l'aéroport. Je sais pas si elle s'en va à l'aéroport de Trois-Rivières ou celle de Montréal. Mais en tout cas, elle donne un maudit bon show pour vrai. Là, elle a commencé à 9h, puis elle a fini à 11h37. Donc, elle a joué 2h37 de temps. Ben, elle a parlé un petit peu en dessous, là. Mettons, elle a parlé pendant au moins une demi-heure. Mais c'est fou, là, elle sort pas de la scène. Là. Elle sort zéro de la scène. Mais elle est tellement, tellement terre-à-terre, là, cette femme-là. Ben, en tout cas, elle a l'air, la façon qu'elle dégage sur scène, pis tout, là, c'est incroyable. Bon, je vais arriver, je vais aller... J'ai hâte de voir ma cyber, je m'ennuie. Puis là, je vais arriver, je vais aller leur faire prendre une marche. Ça va-tu, mon amour? Zoé? Ça va-tu, mon amour? Comment ça, tu fais des gros dodo comme ça? C'est normal qu'elle fasse dodo ou elle fait pas, genre, à cause qu'elle est restée dans l'auto, vous pensez? Oh, ça me fait full de peine. Puis en plus, j'ai eu peur parce que j'avais un papier dans mon pare-brise. J'étais là, okay, quelqu'un a vu mon chien, puis là, il m'a écrit un message, genre... T'as pas d'allure, mon petit sans dessin, nanana, je sais pas là. Mais c'était une annonce de pizza finalement. J'ai vraiment pas faim, puis j'ai pas beaucoup mangé la pizza, fait que c'est correct. Ça va-tu, mon amour? Puis là, c'est ça, j'ai gelé pour vrai là, parce que je courais pour faire les allers-retours, fait que j'avais super chaud. Mais là-bas, la Sainte, c'est sur le bord du fleuve, fait qu'il faisait super froid. Mes cheveux ont pas séché, fait que j'avais les cheveux, j'ai encore les cheveux tout mouillés de quand j'ai pris ma douche tantôt. Fait que j'ai tellement eu froid puis j'ai tellement eu chaud en même temps, là, c'est fucké. Là j'ai soif, mais j'ai mis ma bouteille d'eau dans le coffre parce que je voulais pas couler la manche. Elle a pas fait de dégâts. Ah oh, oui, elle a. Elle a continué à gruger. Elle a grugé les choses qu'on rentre la ceinture dedans. Le bout femelle de la ceinture. En tout cas, c'est pas grave. Hein? C'est la joie d'avoir des chiens. Je les aime tellement, mes amours. Je les échangerai pas, même s'ils me brisent des affaires. Bon, fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire bonne nuit. Je vous remercie à tous ceux qui se sont abonnés à moi et qui me laissent des commentaires. Sérieux, vous me faites capoter. Là. Je capote à chaque fois que je vois le petit signe YouTube, tu sais, qui veut dire que j'ai eu un commentaire. Sérieux, je suis folle de joie. Là. Je capote. Ça me rend vraiment heureuse. Je vais me coucher ce soir en priant pour que tous ceux que j'aime aient bien, mon père, ma mère. Puis aussi, je m'ennuie de mon chum. J'ai hâte de le voir. Il fait super noir ici. Désolée si vous ne me voyez pas bien. Là. Il n'y a comme pas de lumière. Ouais, fait que je m'ennuie de toi, chérie, si tu vois ça. J'aurais aimé ça le voir cette semaine, mais... Alex s'occupe de son appart à Rimouski, là, parce qu'on a réussi à le sous-louer. Fait qu'on a tout envoyé nos choses dans un entrepôt, je pense que je l'ai dit tantôt. En tout cas, c'est poche, ça coûte cher, hein, ça va nous coûter... 220$ par mois. C'est vraiment la poche. C'est pour garder nos affaires, mais dans le fond, les vendre puis en racheter d'autres. T'sais, on venait de s'acheter un Lee King avant de déménager. Avant qu'on s'en aille travailler chacun une place, on venait de s'acheter un Lee King. On venait de s'acheter un divan à elle. Ça va-tu, mon amour? La fenêtre ouverte, c'est l'autre bord. Va l'autre bord si tu veux sortir ta tête. Qu'elle rouvre plus cette fenêtre-là. Zoé, elle est tout le temps de ce côté-là, puis elle aime vraiment ça mettre sa tête de ce côté-là, puis moi aussi j'aime ça parce que je la vois dans mon miroir à gauche là. Sauf que mon char est en train de tomber en ruine, puis la vitre là en arrière à gauche, elle rouvre plus. Elle rouvre une fois sur, sincèrement, une fois sur 50, genre. Puis cette fois-là, après ça, elle referme plus. Fait que.
Alors, pour la troisième fois, je pense que ça fait trois fois que je le dis, je vous souhaite bonne nuit. Merci encore de me suivre, de me laisser des commentaires. Ça me fait super chaud au cœur. Je vous aime fort. On se voit bientôt. Bye!